37, 28, 29, 30, 31, 310 euros. Et en pièces, on est sur un bon 60. Hein. Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo sur les distributeurs automatiques. Dans cette vidéo, on va faire une petite récolte de 3 distributeurs automatiques, 3 distributeurs de snacks dans cette vidéo. Et surtout, on va voir comment je remplis les distributeurs automatiques, où j'achète les produits, combien je les achète et combien je les vends tout simplement. Donc on va aller faire les courses. Donc là, ça fait à peu près un peu plus d'un mois, depuis fin juillet à aujourd'hui, on arrive sur fin août, que les distributeurs, j'y ai pas touché parce que j'étais en vacances aussi. C'est la première année que je prends des vacances. Du coup là c'était un distributeur de snack canette, donc on voit qu'il reste une seule bouteille, donc celui-là normalement il va être bien rempli. Donc comme je disais, c'est pas optimisé, bien sûr si j'aurais rempli il y a une semaine j'aurais revendu, mais pour le coup j'étais en vacances. Et on a un distributeur de snack là, et on finira pour un distributeur de mix qui est boisson et snack. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un mini guide qui s'appelle les 16 lieux les plus rentables pour placer un distributeur automatique, je vous mets le lien dans la description. Donc là c'est parti, on va aller faire les courses et on se retrouve directement après. Les bonbons, c'est simple parce que nous on cherche quand même la marge, donc on va chercher tous les bonbons qui vont coûter le moins cher possible. Les trois quarts du temps, ça va être les crocos, les œufs, les tagada. Bon, là ils sont un peu chers d'habitude, ils sont tout moins chers. Et on a les schtroumpfs qui sont pas chers, parce que si vous partez sur des mélanges, des mix comme des par exemple des nouveautés, des choses comme ça, voilà, des Happy Life, on a 1,57, 1,67, donc en fait faut viser entre 1€ et 1,30€ maxi, sachant que ça va te vendre entre 2,50 et 3,50€ maxi. Donc voilà, donc là on a deux chariots, ça fait à peu près 3 distributeurs de snacks et on en a à peu près pour 3 semaines, un mois. Donc je fais ça, en général je fais ça le samedi, dimanche en même temps que je fais mes courses. Je prends un chariot pour mes courses, un chariot pour ça. Là voilà, j'ai vraiment séparé par distributeur pour la vidéo, mais pour vous montrer, on fait ça une fois par mois à peu près. Donc ça y est, donc on revient des courses. Donc on a deux tickets, vous voyez, là j'ai un ticket là à 180, j'en ai un autre à 150 parce que niveau comptage, je sépare les distributeurs, etc. Du coup au niveau des courses, donc quel magasin on choisit pour faire les courses? Alors j'ai testé pas mal de magasins. Alors au début j'ai testé tout ce qui était Métro, Promo Cash, etc., les magasins professionnels de la restauration. Et j'ai testé aussi d'aller une fois au Champ, une fois à Leclerc, une fois à Carrefour. Et j'ai pu me faire mon propre avis, que ce soit sur la disponibilité des produits, sur le prix des produits, etc. Et j'ai tranché, aujourd'hui je préfère faire les courses de mes distributeurs chez Auchan, Leclerc et quelques fois Carrefour. Parce que je me suis rendu compte que sur les grandes marques, sur un pack de Coca-Cola en fait, les prix sont bridés nationalement et il n'y a pas une grosse réduction. Si vous allez chez Promocash, vous l'avez quasiment au même prix, voire les trois quarts du temps souvent au même prix dans les magasins. Et du coup je préfère profiter du programme fidélité des magasins qui, quand on passe la carte au Champ, à chaque fois on va gagner entre 1 et 3% de cashback que je me resserre après soit sur les prochaines courses. Donc ça me fait une petite réduction entre guillemets. Franchement, c'est une histoire de choix. Vous pouvez très bien dire, mais moi je préfère Métro parce qu'il me livre, etc. Moi personnellement, j'aime bien faire les courses des distri, je les fais en même temps que mes courses perso, je fais juste 2 chariots. Et donc j'ai décidé, et je trouve ça plus sympa de les faire à Auchan, à Leclerc, d'utiliser les cartes fidélité et les promos de bout de rayon. Je trouve qu'on est plus gagnant. Donc ça, c'est mon avis, c'est ma technique personnelle. Je sais qu'il y en a qui préfèrent aller encore chez les promos cash, chez les métros, etc. Moi je préfère aller dans les grandes surfaces, c'est plus intéressant avec les codes promo, etc. Donc là on va voir, je vais d'abord faire la récolte, après on va voir du coup les prix de vente que j'ai, les prix d'achat, et après on fera le travail de remplissage. Donc c'est parti pour la récolte. Alors j'ai les clés là. Donc lui, il a tourné comme j'ai, ça fait un peu plus d'un mois qu'il a tourné. Donc il s'est vraiment vendu entièrement, c'est normal. L'été, tout ce qui est boisson par et l'hiver et tout ce qui est snack, etc. Kinder Bueno par exemple, en hiver, jamais de la vie, il reste un Kinder Bueno. Mais c'est vrai qu'en hiver, le côté snack marche beaucoup moins. En été, le côté snack marche beaucoup moins. Par contre, en hiver, il marche beaucoup plus. Et c'est l'inverse, en hiver, on vend beaucoup moins de boissons. Donc là, au niveau de la récolte, donc on a... Voilà, on récolte 2 pièces, bon c'est normal. J'ai dû revenir une fois mettre de la monnaie sur celui-là parce qu'il n'y avait plus de monnaie, parce que ça marchait bien. Donc j'ai pris je suis revenu vite fait, il y a une canette qui était bloquée. J'ai mis de la monnaie de ce distri à ce distri, donc c'est ça.
Donc là, on n'a que des pièces de 2 euros parce que tout simplement tout le reste est rempli dedans. Donc là, à vue d'œil, par habitude, on est sur une cinquantaine d'euros en pièces de 2 euros. Et en billets, normalement, sur celui-là, c'est sur toujours celui-là où il y en a un peu plus. Alors, c'est assez chiant à attraper. Et voilà, donc là, bon, on peut compter rapidement. Je vais mettre les tickets là. On est sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 225 plus 50, 275, c'est ça. On est entre 275 et 300 euros pour ce distributeur. Sachant que niveau course, bon, on va le voir sur le ticket. Je ne vais pas vous faire le détail, à la limite, on vous mettra une capture d'écran des tickets. Mais niveau boisson, là, on est sur un ticket à 178 euros qui correspond en fait à ces deux distributeurs-là. Sur 178 euros, on est à peu près sur 100 euros de boisson. Donc vous voyez, sur 100 euros, je gagne quasiment 300 euros. On est sur du x3. Maintenant, ben, on va commencer par celui en boisson. On va regarder les prix en détail. Du coup, on va être coupé toutes les 5 minutes parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui rentre, que ce soit pour prendre une canette. On vient même de vendre des bonbons en direct à la pièce parce que les gens ont l'habitude. Bref, du coup, au niveau du prix des boissons. Ah, ça fait du bien, il fait frais là. Du coup, sur tout ce qui est canette normale, moi j'ai décidé de les mettre à 2 euros. Donc il y a deux types de prix dans la distribution automatique. Il y a ce qui est entre guillemets grand public que vous allez voir dans les lieux publics, etc. On va souvent être sur du 2 euros. Je dirais entre 1,50€ et 2 euros, mais souvent 2 euros. Et il y a sur tout ce qui va être en entreprise, chez Pôle emploi, au commissariat, etc. Là, ça va être un peu moins cher. En général, on est entre 80 centimes et 1,50€ la canette dans les institutions. Ça, c'est géré par des plus grosses sociétés. Mais en général, sur le public comme ça, la canette est à 2 euros. Donc, vous voyez que toutes les canettes sont au même prix. Alors, on ne les paye pas tous le même prix. Donc, je vais prendre quelques exemples. On a le Pepsi à 2,53€, 2,56€ le pack de 6. Du coup, ça revient en moyenne en gros à 45 centimes, entre 40 et 50 centimes la canette. Alors, on a certains qui vont dépasser un petit peu. Là, on voit, je vais vous montrer un peu les prix. Qu'est-ce qu'on a en canette? Par exemple, ici, le Coca, 2,36, 2,70. On a quoi? On a de l'Ice Tea à 2,70. Donc, tout le temps, grosso modo, vous allez être entre 2,50 et 3 euros. Avant, on était carrément dans les 2,30, 2,40, mais c'est vrai que là, ces deux dernières années, on a pris pas mal d'augmentations. Donc, on paye entre 40 centimes et 55 centimes si on prend une grosse fourchette la canette pour une vente à 2 euros. Donc, on est sur un x4 sur toutes les canettes, que ce soit du Coca, du Perrier. Il faut savoir que tout ce qui est Perrier, etc., ben les prix sont pas plus bas. Avant, un pack de 6 canettes de Perrier coûtait beaucoup moins cher. Aujourd'hui, un pack de 6 canettes de Perrier, ben, si je vais essayer de vous retrouver le prix, ça coûte grosso modo exactement la même chose qu'un pack de Coca, voilà. Perrier, on est à 2,58 le pack, donc on paye le même prix tout simplement le pack de Perrier que le pack de Coca. Donc voilà pour tout ce qui est canette. Il y a juste une exception, voilà, sur là il y en a deux qui sont, il y a trois lignes qui sont à 2,80. C'est tout ce qui est Red Bull ou bière sans alcool, parce que les Red Bull en fait elles coûtent entre 1€ et 1,50€ la canette. Du coup, c'est pour ça qu'on les met à 2,80 tout simplement pour garder la marge. On est sur x4 là, on est sur un x2,80 sur les Red Bull tout simplement parce que c'est plus cher à l'achat. Ensuite, on a fait rajouter ici des plateaux qui sont spéciaux pour les bouteilles parce qu'on voulait un service de bouteilles pour changer un petit peu. Donc, on a mis deux rayons, on a mis un rayon où c'est des bouteilles de jus de fruits. Donc, nous on a décidé de partir avec du Pago parce que c'est plus pratique et c'est un bon format. Donc, on les vend 2,80 et pour vous montrer les bouteilles de Pago, on les paye 1,64. Donc, on gagne 1,20€. Donc, on marche beaucoup moins en fait sur les bouteilles que sur les canettes. Mais voilà, c'est vraiment le service qu'on voulait rendre. Et en bas, enfin, on a mis des bouteilles d'un litre qu'on a laissé 1,80€, 2€, ce qui est bouteille d'eau, bouteille de Perrier, et 2,80€, ce qui est bouteille de Coca, ce qu'ils font entre 1 litre et 1,25 litre. Là, je crois que c'est des 1 litre, voilà, on la paye, la bouteille, 1,18€, on la vend 2,80€, donc on est sur un x2, x2,5 maximum. Donc vous voyez, grosso modo, on est sur du x2 sur de la bouteille et sur du x4 sur de la canette, sachant que bon, on a pas mal de canettes qui finissent quand même. Là, je vois par exemple... il y en a que voilà 3,33€, on a certaines bouteilles, voilà, Orangina on est à 3,24€, il y a certains packs qui montent jusqu'à 3,50€ le pack. Et voilà, on voit par exemple ici on a le Cacolac on est à 4,74€ les 6, donc là on est carrément à 80 centimes la canette, on vend toujours 2€ le Cacolac, donc on est plutôt sur 1x3. Du coup, maintenant, comment je choisis quelle boisson je mets? Parce que forcément, ça va faire 4-5 ans maintenant que j'exploite des distributeurs de snacks.
Donc j'ai pu tester pas mal de produits, j'ai même testé de mettre des chargeurs, enfin bref, j'ai testé de mettre pas mal de trucs. Donc finalement, là on est sur un district de snacks. Donc forcément, on va le voir, là on revient des courses pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Donc on prend toujours ce qui est classique, c'est les Coca-Cola. Les Coca-Cola, alors les normaux partent beaucoup plus que le Coca-Zéro dans les distributeurs. Alors que quand on a un restaurant, le Coca-Zéro se vend plus que le Coca-Normal. Mais j'ai vu ça que, en gros, les gens qui prennent au distributeur prennent plus souvent du sucré que du zéro. Ça m'arrive des fois de vendre 12 canettes de Coca-Normal pour à peu près 2 à 3 canettes de Coca-Zéro. Donc il faut le savoir qu'en distributeur, le Coca-Normal marche mieux que le Coca-Zéro. Donc avant, je mettais 2 rangées de Coca-Normal, 2 rangées de Coca-Zéro. Maintenant, je mets 3 rangées de Coca-Normal pour 1 rangée de Coca-Zéro. On a mis, alors je ne sais pas si on le voit, on a normalement du Coca, voilà. Ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est Coca Vanille et Coca Cherry. Coca Cherry part très bien, Coca Vanille c'est un peu nouveau, c'est un peu... ça commence à partir. Alors, il faut savoir qu'il y a deux vraies stratégies au niveau des distributeurs de snacks. Il y a soit on met tous les produits qui sont conventionnels, c'est-à-dire on met Coca, Fanta, Perrier, etc., tout ce que les gens connaissent. Et il y a la technique de, on met que des goûts bizarres, des nouveautés, des choses comme ça. Et ce qui permet que, en fait, les gens prennent des goûts originaux. Un Coca, ça les intéresse pas, mais tiens, il y a le nouveau Coca qu'ils ont jamais goûté, il y a des chances qu'ils craquent. Donc moi, ce que je fais, en fait, je mixe les deux stratégies. Le classique avec une rangée où je mets que des produits classiques et le deuxième où je fais des tests produits. Donc les tests produits, des fois ça marche pas, mais des fois ça cartonne. Comme je me rappelle au tout début, je mettais que du Coca normal, Coca zéro. Un jour je suis arrivé avec le Coca chéri, je me fais défoncer un Coca chéri. Après j'ai mis le Coca vanille, le Coca vanille a bien marché sur l'autre distributeur, pas sur celui-là. Le 7-Up par exemple marche, mais de manière très classique. Et quand j'avais mis l'Orangina rouge par exemple, il cartonnait. Donc en gros on fait du test, mais aujourd'hui je mets une rangée de classiques et une rangée de nouveautés, de goûts originaux, et je trouve que ça part plutôt bien, tout part plutôt bien. Parce que quand je mettais que des rangées de Coca, c'est vrai que c'était très long à partir. Du coup après on met Cacolac, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui coûte le plus cher, mais là c'est juste pour attirer une clientèle des habitués. Je sais que le Cacolac je le vends en moins d'un mois, donc je sais que j'ai des gens qui viennent que pour le Cacolac, parce qu'un distributeur en fait marche beaucoup avec les habitués. Faut pas croire que c'est que des gens de passage. Moi j'ai des distributeurs dans les laveries et dans des emplacements fixes dans des villes, et c'est vrai que je me rends compte que les deux tiers de la clientèle c'est des habitués. Je sais que j'ai des habitués qui viennent prendre le Cacolac, donc je suis certain de le vendre dans le mois, donc je le mets. Donc après on a de l'Orangina, du produit classique, 7-Up, produit classique. Dernièrement, j'ai rajouté en plus du Coca, du Pepsi et du Pepsi Max, parce que je sais qu'il y a, il y a la team Coca et la team Pepsi. Moi je suis plutôt, on va dire, team Coca, mais du coup je me suis dit tiens, je vais tester le Pepsi, je vais retester le Pepsi. Je l'ai mis à peu près un mois et demi et c'est parti aussi vite, à peine un peu moins vite on va dire que le Coca normal. Donc pour moi c'est bien, ça permet de changer, etc. Donc pour l'instant je valide. Alors, faut pas hésiter de temps en temps à changer ses habitudes, faut pas faire pendant 4 ans les mêmes, faut pas hésiter à changer un peu. On a l'Oasis Cassis, donc on a l'Oasis normal et l'Oasis Cassis. L'Oasis Cassis part mieux que l'Oasis normal. Faut le savoir, moi c'est une de mes top ventes, c'est l'Oasis Cassis avec le Coca chéri. Après en boisson, là c'est la rangée classique, Ice Tea, Coca, Fanta, Perrier. Là cette fois-ci je voulais retester le Schweppes, ça fait longtemps que je l'avais pas mis. On a les Red Bull, donc là on a les Red Bull classiques et on va tester... Hop, on va tester les Red Bull rouge goût pastèque, voilà la Red Edition. Donc ça c'est pareil, pendant un moment je testais la Monster, ça partait bien, mais les tailles des canettes sont très, très embêtantes pour les distributeurs. Donc là je vais tester sur les Red Bull rouge qui coûtent 1,30€, donc je vais vendre à 3€ ou 2,80€ sur ces distributeurs là. Donc en grande boisson on est parti pareil sur les classiques, Coca, Coca Zero, Orangina. Sur les pagos, on prend l'ananas, le tropical, et des fois je mets le jus de carotte, les choses comme ça. Honnêtement, il y a tout qui part plutôt bien. Il y a pas, des fois, ça arrive que l'ananas en général part plus vite. Le jus de carotte était parti moins vite. Là, on voit par exemple celui qui restait. On avait testé le Red Ice. Je pourrais même pas vous dire ce que c'est. Si, c'est un mix jus de carotte, etc. Donc vous voyez, je l'ai testé la dernière fois. Il en reste une. Je vais la laisser. Je sais que dans le mois, elle va partir. Après, on verra du coup sur l'autre distributeur, tout ce qui est ça. Et je mets toujours, ça part bien selon les températures, c'est des bouteilles d'eau. Donc dans ce distributeur, j'ai des grandes bouteilles d'eau. Vous allez voir, dans l'autre distributeur, j'ai des bouteilles de 50 centilitres. Mais ça, dès qu'il y a un coup de chaud, etc., les bouteilles d'eau, ça part très très vite. Franchement, dès qu'il fait 35-40 degrés, limite, on peut vendre une rangée entière dans la journée. On va faire le débrief sur ça et après, on va partir sur le remplissage. Donc là, on est en plein été, on voit... les Kinder Bueno White qui sont normalement le top vente, il reste une rangée.
Donc ça prouve que bah, les gens, ils n'ont pas envie de manger. Ça, par exemple, d'habitude, je la retrouve à moitié vide. Là, ce qui est parti, grosso modo, c'est les bonbons. Alors, ce qui est bien, c'est que les bonbons, c'est produit été comme hiver. J'en vends autant l'été que l'hiver. Donc, c'est plutôt bien. Là, on a des chips, des pop-corn. On avait testé les sticks d'Alsace. Bon, c'est pas extrêmement bien parti, donc je ne vais pas renouveler. Voilà, après, ici, on testait un peu tout, des Kit Kat, des Twix, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même plus de Kit Kat, plus de Twix, plus de Snickers, etc. Donc, on a quand même pas mal de choses qui sont parties. On a testé ici toute la gamme Kinder. Donc, vous voyez, il y a le Kinder Kart, le Kinder Céréales, le Kinder Maxi. Mais c'est vrai qu'on est l'été, la nourriture, à part les Kinder Bueno qui partent quand même et les bonbons. Ah, si, on a un truc qu'on n'a pas repris d'ailleurs. On a les saucissons qui marchent très bien. On avait testé des petits paquets de saucissons. On les vendait 2 euros. Je crois qu'on les payait 1 euro, 1 euro 20. Donc, on n'avait pas une grosse marge. Mais ils partaient très très bien. Donc, déjà, c'est parti pour la récolte. Hop. Donc là, du coup, bah, il doit être bien moins rempli normalement que l'autre, parce qu'on voit qu'il est, là, je dirais, il y a à peu près la moitié, peut-être un peu plus de la moitié qui est partie. Alors, les prix de vente sont différents parce que le prix de vente, on vend à 2 euros sur tout ce qui est canette. Et là, vous voyez, en fait, on vend tout entre 1 euro, 1,50 euro. Donc, le chiffre d'affaires est plus petit sur du snacking que sur de la boisson. Et du coup, les marges aussi. Donc là, on est sur 10, 20, 30... 40, 50, 60, 70, 75 en billets et en pièces. Bon, j'avais déjà pris des pièces la dernière fois pour faire la monnaie sur l'autre district. On n'a pas grand chose. Par contre, on voit qu'on a le monnayeur qui est plein. Donc, je pense que là, j'en ai un peu plus que la dernière fois. Je dois avoir une quarantaine d'euros de plus à vue d'œil. Et là, je suis sur une vingtaine d'euros. Donc, on est sur 60. 60 et 75. On est sur 135 euros. On est sur moitié moins que le distributeur de boissons. En même temps, c'est normal. Bon, on a forcément un peu moins vendu parce que c'était l'été. Donc, on va faire pareil au niveau des prix de vente. On va pouvoir voir parce que les marges sont différentes. Donc, en même temps, je vais vous parler des top ventes. Le top vente, je dirais en période normale, c'est les Kinder Bueno. Les Kinder Bueno normal et les Kinder Bueno white. Donc ça, c'est pareil. Au début, je mettais que des normales parce que les whites, c'était pas mes préférés. Et un jour, j'ai commencé à tester un nouveau produit. Et depuis que j'ai mis les Kinder white sur, alors pas sur ce distri, mais sur mon autre distributeur, c'est la top vente. Je suis passé à 3 rangées entières de Kinder Bueno white qui se vident entièrement. Alors que on a les Kinder Bueno normal qui sont pas encore vides. Donc les Kinder Bueno white ont vraiment pris le dessus là-dessus. Bonjour. Donc bon, reprise de la vidéo parce qu'il y a des gens qui rentrent en permanence. Du coup, au niveau des marges, donc au niveau du snacking, donc ça, bon, j'en ai pas repris les barres céréalières, mais on est sur du x2, même un peu plus, on est limite sur du x3 sur tout ce qui est céréalier. Donc là, vous allez au rayon céréales, petit déjeuner, vous prenez. Ça, c'est un test que j'ai fait. Honnêtement, en hiver, ça marche pas trop mal. Le top vente, c'est les Golden Grams, les Frosties, après, c'est Nesquik, enfin, voilà l'ordre. J'ai mis aussi des premiers prix qui partent tranquillement. Donc là, on est sur du x2,5, x3. Donc sur le Kinder Bueno, donc qui est la top vente, donc Kinder Bueno classique et Kinder Bueno white. Donc comme je disais, moi, je vends plus de white que de classique maintenant. Donc on les achète. Donc j'ai pas fait, je vais vous dire ça parce que je ne l'ai plus de mémoire. Kinder Bueno White, on est à 6,09€ pour un pack de... On est sur 10, donc on est à 60 centimes, donc on fait 40 centimes de marge. Et on est à peine en dessous sur les Kinder Bueno, je prends les payes 55 centimes ou 50 centimes. En gros, on est sur du x1,8, x2 sur les Kinder Bueno. Donc, c'est fait exprès parce que c'est les produits d'appel. Pour moi, avoir un Kinder Bueno à 1 euro, c'est bien. Avoir un Kinder Bueno à 2 euros, vous le vendrez jamais et vous passez pour un distributeur cher. C'est comme le Coca, ça sert de point de repère pour savoir si vous êtes un distributeur cher ou pas. Donc moi, je vous conseille en tout cas de le laisser 1 euro, voire 80 centimes, parce que c'est vraiment votre produit d'appel qui va donner aux gens l'impression que votre distributeur a un bon prix. Et que, ben voilà, encore une fois, on vend tellement de volume que c'est pas grave de faire que x2, x1,8. Parce que là, vous voyez, dans la rangée, j'en rentre une quinzaine. Donc en tout, j'en rentre 60 dans la machine. Et j'arrive à vendre les 60 dans le mois. Donc j'arrive à faire 30 euros de marge, grosso modo, sur les Kinder. Tout ce qui est Kinder Card, Kinder Maxi, etc. Grosso modo, c'est pareil, on marge un petit peu plus dessus. Il y a les Madeleines Saint-Michel qui partent bien, honnêtement, tout ce qui est gaufre ou madeleine, mais moi je préfère les madeleines parce que je trouve que ça part un peu mieux. Alors je vais essayer de vous retrouver le prix. Saint-Michel Madeleine, on a 2,11€ et on est sur 4 paquets. Donc on paye 50 centimes le paquet, on vend 1,50€, on gagne 1€ par paquet. Les paquets, je les vends 2€ ou 2,50€ sur un autre distributeur, elles partent aussi. Donc là, je pourrais même les vendre plus cher. Après, on a tout ce qui est bonbons. Donc ici, on vend les bonbons 2,80€. Les bonbons, on les paye. Donc ça dépend des bonbons. On va les payer entre 1,10€
pour les crocodiles, 1,09€ de mémoire, et jusqu'à 1,80€ si vous prenez, suivant ce que vous prenez. Donc nous, ce qu'on prend toujours, les crocodiles qu'on paye que 1,09€, qu'on vend 2,80€, donc on est sur un x2,8 grosso modo, et les Haribo, les Dragibus, qu'on va payer 1,25€ pour vendre 2,80€, on est pas mal. Et vous allez voir, j'ai encore des prix différents. Des fois, je prends des œufs, des fois, je prends des schtroumpfs, ça dépend un petit peu. Ensuite, on a... donc là on a tout ce qui est bonbon, là on met du bonbon aussi, là on met du bonbon. Là j'avais testé, comme je vous avais dit, de mettre le saucisson, donc que j'ai pas pris cette fois-ci. On a le popcorn, c'est un produit qui est pas mal, parce que on le paye, là je les ai payés, on le paye 56 centimes et on est à 2,40. Et en général sinon il y a les paquets de chips qu'on va payer à peu près 1€, 75 centimes, entre 75 centimes et 1,25€, et qu'on va vendre, vous voyez ici, 2,40€. Donc on est sur du x2 et on est sur du x3 à peu près, sur x3,5 sur le popcorn. Et après, nourriture, tout ce qu'il y a. Alors maintenant, si on fait le tour, après on a tout ce qui est Kit Kat et Twix, donc qui sont pareils sur les lignes 1€, normalement qui sont les 3 ici. Donc on voit Kit Kat ici, on est les 10 à 3,30, donc on le paye 33 centimes. Donc on est sur du x3, donc on voit que le Kit Kat en fait est beaucoup plus rentable que le Kinder Bueno. Et après, je vais vous prendre un autre, pour exemple, les Twix, à x12, on est à 4,09, donc on est à peu près à 35 centimes. Donc on marche beaucoup plus, vous voyez, sur du Twix Kit Kat que sur du Kinder Bueno, et on rattrape, entre guillemets, la marge. Et après, au niveau du choix, comme je vous disais, je prends autant le classique, le Kit Kat classique, j'en prends 10, mais je prends aussi les nouveautés. Donc là, on voit, j'ai le Kit Kat Dark, qui est bien parti dans l'autre distributeur, j'ai le Kit Kat White, il y a le Twix caramel salé, là on a le Kit Kat White, j'ai pris le Lion White, donc je varie, je change, et honnêtement, il faut vraiment que vous ayez 2 ou 3 classiques et 2 ou 3 nouveautés, parce qu'il y a les clients, les habitués qui vont prendre toujours le même produit, et il y a les gens de passage qui vont se faire avoir, parce que tiens, j'ai jamais goûté, j'ai vu la pub à la télé, parce que ce qui est bien, c'est que toutes les nouveautés, on voit souvent les pubs à la télé, etc., et ça nous sert, entre guillemets, de pub à nous aussi pour les distributeurs. Donc là on est sur 178€ pour les deux distributeurs, sachant que je vais les re-remplir bien, là je pense que j'en ai pour un mois et quelques. Alors ça c'est des distributeurs de snacks, c'est pas ceux qui tournent le plus, ils sont, comme vous le voyez, sont dans la laverie automatique, donc ça tourne beaucoup moins que les distributeurs, on va le voir, qui sont sur rue, qui vont être dans des lycées, dans des choses comme ça, qu'il faut remplir toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Celui-là, je peux me permettre de le remplir toutes les 3-4 semaines. C'est un distributeur qui tourne plutôt tranquillement. Sachant que sur des distributeurs comme ça, si vous êtes dans des emplacements phares, entre guillemets, donc téléchargez le guide qu'on vous a mis sous la vidéo. On vous donne les emplacements qui marchent le plus. Les deux distributeurs vides comme ça peut arriver toutes les semaines suivant les emplacements. Donc on peut faire jusqu'à 1000-1500€ par mois par distributeur assez facilement. Mais on verra ça du coup là-bas. Donc là c'est parti, on va remplir tout ça et on va passer au prochain distributeur. Donc là on est sur le troisième distributeur, donc il y a un distributeur que j'ai positionné sur rue. Donc là il est classique sur une rue du centre-ville, là on voit il y a un peu de monde. Donc lui c'est mon plus ancien distributeur, il en a vu de toutes les couleurs, etc. Donc les prix sont légèrement différents. Donc là lui, contrairement à celui qui est dans la laverie, lui il part beaucoup plus vite, parce qu'il y a beaucoup plus de trafic de personnes qui passent devant. Je l'ai rempli avant de partir en vacances. Alors je suis parti le 6-8 août en vacances, donc là on est le 25 août, ça fait 3 semaines. Donc en 3 semaines lui il s'est vendu quasiment entièrement, alors que les autres ont été plutôt sur un mois et demi. Donc lui tourne beaucoup plus. Donc, il est vide, il nous reste les Perrier. La colonne où je mets tout. Il reste 2 bouteilles d'eau, 2 bouteilles de Badois. Et les Kit Kat, autant je les avais bien vendus la dernière fois, autant cette fois-ci il me reste des Kit Kat. Donc là on a normalement les billets, j'étais venu il n'y a pas longtemps dépanner, donc là il y a juste 5, mais parce que je les avais déjà mis là la dernière fois. Donc là vous voyez c'est quand même beaucoup plus rempli, donc je vais vous montrer. Mais... vous voyez niveau pièces, etc. Bon, lui c'est normal parce qu'il y a le monnayeur qui est plein, il doit rester à peu près 20-30€, je vais les attraper en billets.
Donc vous voyez, donc lui il est bien rempli. Et au niveau des billets, donc là on voit qu'il y a un peu plus. Donc ce qui est bien, on voit on a beaucoup plus de billets de vin, alors que les autres on n'en avait pas du tout. Donc ce distributeur est un peu plus cher, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu plus de sous, parce qu'on a des produits à 2,50, on a toutes les bouteilles à 2,50, on a des bonbons qui sont à 3 euros là-haut, ici on a toute une rangée pareil à 2 euros, et surtout que lui en général je le remplis moins souvent, parce que lui c'est celui que je remplis moi depuis toujours, donc je le remplis vraiment à rage, mais je le remplis entièrement. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 310 euros. Et en pièces, on est sur un bon 60, hein, 310. Donc on est sur 370 euros en 3 semaines à peu près. Un peu plus, je pense qu'on est à 380, pas loin de 400 euros en 3 semaines, sachant que le monnayeur est plein, sachant qu'il me reste 3 bricoles, donc c'est plutôt pas mal. C'est ça, il tourne en été, il tourne à 600 euros et ça arrive. Non, je pense qu'il nous reste quand même une bonne semaine, donc on va tourner plutôt autour des 700-800 euros. Donc au niveau des prix de vente, donc là on est légèrement différent, bon c'est vide, ici c'est la rangée des canettes, donc vous voyez les canettes c'est pareil, on est à 2 euros, à 1,50 €, c'est les Capri Sun que je mets ici, qu'on paye un petit peu moins cher, c'est pour ça que je les ai mis à 1,50 €, parce qu'en général c'est pour les enfants, et ben, je préfère les vendre à 50. 3 euros ici, j'avais testé, c'est la bière sans alcool, la bière 0%, alors des fois ça part d'un coup, et des fois ça se vend pas du tout, donc c'est... J'hésite à le laisser parce que des fois je les vends bien. Ça m'est arrivé de les vendre dans une soirée les 6, donc 18 euros. Autant des fois pendant 3 semaines, les 6, il n'y en a pas une qui bouge. Ici, c'est les Red Bull Monster que j'avais ici. Ici, on est sur les canettes classiques Coca, Coca Zero, Coca Cherry, Coca Vanille, etc. Ici, on est sur les bouteilles. Donc, les bouteilles d'eau, je suis à 1,50. La dernière fois, il n'y avait plus de cristalline. J'avais pris l'Eco Plus. Je pense que c'est pour ça qu'elles ne sont pas vendues. Et là, bah, pareil, il n'y avait plus rien la dernière fois que j'ai fait les courses. Donc, j'ai mis de la Badoit. Normalement, ici, on a Coca, Coca Zero, Orangina, Ice Tea et Powerade. Ici, je vends très bien la Powerade. En dessous ici, à la base j'avais fait un truc pour mettre des sandwichs. Les sandwichs, ça n'avait pas très bien marché à cet emplacement. Aujourd'hui, je mets des chips, des madeleines, des tucs et un deuxième paquet de chips aromatisés. Que je vends 2 euros. Donc on a vu, je gagne plutôt pas mal parce que les paquets de chips, ben, je vais vous donner, j'ai le ticket, je vais vous dire le prix. Hop. Les paquets de chips, alors c'est sur... j'ai tout gardé dans la poche pour pouvoir vous dire justement. Alors c'était sur ce ticket là. On voit les tucs, je les paye les deux à 1,04 €. Donc je vais payer 50 centimes pièce, je vais vendre 2 euros. Donc je suis sur un x4. Les chips cristallines. Les cristallines, je les paye, vous voyez, 2 euros les 12 et on les vend 1,50 € pièce. Donc je fais 10 cristallines de marge, je fais 15 euros de marge. Pepsi, Fanta, Seven, Perrier, Oasis, Auchan, Vico, Chips, je paye 2,45 les 6, donc on est sur 6 fois, on est sur 40 centimes, 4 x 6, 24, c'est ça, on est sur 40 centimes, je les vends 2 euros, donc on est sur du presque, on est sur du x5 carrément sur les chips. Après, comme d'habitude, c'est Kinder, donc là il y a deux rangées de Kinder normal, deux rangées de Kinder White, et là je varie, Tic Tac, Twix, je fais mes essais, etc. En haut, on est sur les bonbons. Donc c'était des anciens prix avant, c'était pas les bonbons, j'ai jamais changé les prix. Donc ici je mets les crocodiles, que je paye 1,09 €. Ici je mets les dragibus, donc en gros je marge d'à peine 40 centimes sur les crocodiles. J'ai la flemme d'échanger, il faut que je le fasse, parce qu'il faut manipuler un peu, j'ai la flemme de le faire. Et ici 3 euros, je mets pareil, alors j'ai tout testé, des Happy Life, des choses comme ça. Aujourd'hui je mets les dragibus que je paye 1,25 €, comme ça je suis sur du x2, x2,5 à peu près. Mais des fois je mettais du Happy Life où j'étais juste sur un x2 classique. Donc c'est un peu en fonction de quand je fais les courses, de ce que j'ai envie de tester. J'ai testé des bananes, j'ai testé des coca, ça m'arrive de mettre des fraises tagada. Ça dépend un peu de l'humeur, de la promo qu'il y a aussi au magasin, etc. Donc lui voilà, je marge un peu plus. Ce qui est bien, c'est que bah, les Kinder Bueno, c'est vraiment ici, je les vends. C'est ici que les Kinder Bueno White, j'ai fait le test, quand je mets 3 rangées, je vends aussi vite les 3 White que celles que je mets en Bueno normal. Les Kit Kat là, bon, on va le voir. Voilà, là les Kit Kat sont pas trop partis. Ah bah après je les avais mis, ouais, ça fait que 3 semaines pour une nouveauté. C'est la première fois que je les mettais dans ce distributeur.
Celui-là, c'est normal qu'il parte pas parce qu'il faut que je change le moteur qui est cassé, il faut que je m'en occupe. Mais je le mets quand même parce que c'est mieux de le faire. Dans tous les cas, les gens ne peuvent pas le sélectionner dans la machine. Donc voilà pour ce district. Donc là, c'est parti. On va tout remplir et ben, on va conclure. C'est 20 centimes gagnés. 50 centimes gagnés. 50 centimes gagnés. 50 centimes gagnés. Voilà mon magasin. Non, ça, sans rigoler, faut toujours faire gaffe que ce soit bien présenté. Parce que forcément, on vend plus de coca quand on voit marqué coca. Si vous les mettez tous comme ça, vous vendez moins. Ça, un petit tips. Bref, donc vous voyez, il est rempli. Donc lui, je suis tranquille pour au moins 2 à 3 semaines vu qu'on est en été. En hiver, je tiens à peu près un mois. En été, ça peut durer 2 à 3 semaines pour qu'il se vide complètement. Donc voilà, comme ça, vous avez vu un peu le quotidien de comment on gère les distributeurs de snacks. C'est assez simple. Vous voyez, on fait les courses. Donc je rappelle, soit vous choisissez Métro, Promo Cash, mais honnêtement il n'y a pas besoin, choisissez Auchan, Leclerc, celui qui a le meilleur programme fidélité, celui qui est le plus proche de chez vous. Ça ne sert à rien de faire une heure de route aller-retour de plus pour gagner 3 euros. Il vaut mieux aller au Auchan en bas de chez vous et prendre le ticket fidélité. Là pour les courses qu'on a fait, je crois qu'on a gagné 5 euros en ticket fidélité. 5 euros, moi je vais pouvoir acheter deux packs que je vais vendre, ben, ça va me rapporter, là il y en a 6, hein, 12 euros. Donc en fait les 5-6 euros de fidélité qu'ils m'ont donné, je vais les transformer en 24 euros. Donc voilà plutôt mon point de vue. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business de la distribution automatique, n'oubliez pas, vous avez le guide juste dans la description de la vidéo qui vous explique ben, les 16 points les plus rentables pour installer des distributeurs automatiques. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et vivre de l'activité de distributeur, comme d'habitude, vous tapez distributeur rentable sur internet ou dans le lien sous la description et vous allez trouver. Parce qu'aujourd'hui, je vends des distributeurs de snacks, je les exploite. J'ai une société avec plus de 450 distributeurs automatiques. Donc aujourd'hui, on a fait un focus sur les distributeurs de snacks. La prochaine fois, je pense qu'on va faire un focus sur les distributeurs de café et je vais continuer à vous faire pas mal de séries. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, à mettre un like à la vidéo et à mettre un commentaire. Comme d'habitude, c'est moi qui réponds aux commentaires, donc n'hésitez pas. Et ben, on se retrouve sur une prochaine vidéo.